C'était la Journée internationale des femmes, vaste programme, me direz-vous. Qu'y a-t-il en effet de commun entre la vie d'une femme afghane, d'une femme qui vit au Congo, dont le pays est ravagé par la guerre depuis des années, dans un silence assourdissant, et nos vies de femmes occidentales? Alors comme nous ne pouvons pas donner la parole aux premières, eh bien je vous propose de réfléchir à ce qui se joue ici pour nous, peut-être à nous parler de la façon dont s'est transmise la féminité dans votre famille. Peut-être êtes-vous lasse d'assurer sur tous les fronts, épouse parfaite, mère aimante et disponible, maîtresse imaginative, collaboratrice dont on vante les mérites, confidente des uns et des autres. Vous avez bien conscience d'en faire trop, mais vous avez beau être épuisée, vous ne pouvez pas faire autrement. Alors on peut en parler si vous en éprouvez le besoin. Quelles ont été les avancées essentielles dans l'émancipation des femmes sous nos latitudes? Quelles sont les conquêtes qui, selon vous, restent à faire? Voilà, c'est peut-être l'occasion d'en débattre au 39-21. Vous y serez accueillis ce soir par deux hommes. Et oui, il n'y a que des hommes en régie ce soir. Assiba, pour cette journée des femmes, a pris son congé et elle a bien eu raison. Donc c'est Justin et Quentin qui vont vous accueillir. Et c'est Philippe Chartier qui réalise cette émission. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Bertrand Rutili a pensé à tout en ce jour symbolique. Voilà, Yael Naïm, Come Home, victoire féminine de l'année aux victoires de la musique. Alors, j'ai pas parlé des courriels hein, sur lesquels vous pouvez écrire, site europe1.fr, vos messages, bien sûr, au 7 10 25, en les commençant par le mot nuit. Vous pouvez réagir à ce que vous entendez. Ne vous sentez pas exclu du débat, si on parle un peu de des femmes, de ce que vous pensez un peu de cette journée. Je disais peut-être de nous parler de la façon dont s'est transmise la féminité dans votre famille, au travers des générations, que vous soyez une grand-mère, une mère, une petite fille, dont s'est transmise ou pas d'ailleurs. Hein, il y a des familles où c'est compliqué, ces histoires de féminité. Vous pouvez en témoigner avec nous au 39-21 choix 1. Et si vous êtes un homme, ne vous sentez pas exclu du débat, parce que votre avis nous intéresse. Peut-être que justement vous êtes avec une femme qui a tendance à en faire trop, qui ne vous laisse pas prendre votre place, et vous avez du mal à trouver, à vous y retrouver dans cette situation. N'hésitez pas à nous rejoindre, à témoigner au 39-21. Sergio nous dit: un jour pour les femmes, ben pour lui c'est nul. Il dit: les femmes pour moi c'est pas un jour, c'est toujours. Et puis Balthazar me dit: avec vous c'est la journée de la femme tous les soirs. Alors, je sais pas comment je dois le prendre, Balthazar, mais bon, je le prends, je sais pas, comme un compliment, parce que après tout, moi je les mets à l'honneur autant que je peux. Allez, on va accueillir Christine. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Christine. Oui. Enfin, je vous appelle, c'est parce que là, je viens de rompre avec quelqu'un. C'est un garçon que j'avais rencontré. Alors, j'ai 46 ans déjà. Et j'avais rencontré ce jeune homme, je dirais, il y a un mois.
Oui. Allô, vous entendez? Oui. Ça fait un mois. Et je l'ai rencontré par pur hasard. Hein. Et il m'a demandé comme ça si j'étais seule, quoi. Et qu'il recherchait quelqu'un et on a fait l'échange de numéro de téléphone. Et on se voyait. Il venait me voir régulièrement. Et petit à petit, il évitait de venir parce qu'il travaillait dans le secteur. Il venait me voir presque tous les jours. Et puis, je remarquais que depuis un certain temps, il évitait, en fait, il préférait que je l'appelle parce qu'il a des difficultés avec son portable. Il ne peut pas appeler parce qu'il n'a pas d'abonnement. En fait, il n'a pas possibilité d'avoir un abonnement. Donc, je l'appelais. Et comme pour moi, c'est gratuit, parce que je suis là avec Internet, donc je pouvais, alors j'en ai profité. Et j'ai remarqué que j'appelais, ça fait une semaine, à chaque fois, il rejetait les rendez-vous au lendemain. Mmh. Et ce soir-là, mais pourtant, par contre, je dois vous dire qu'un soir, je l'ai vu, il discutait, et bon, il m'invitait à avoir des rapports sexuels avec lui, déjà. Et je trouve que c'est bon ça. Et un soir, parce qu'il voulait, il prétendait vouloir me faire un enfant. Mais déjà au bout d'un mois? Enfin, même avant. Un petit peu après la rencontre. Oui, il est rapide ce garçon. Avant même d'avoir des rapports sexuels d'ailleurs. Ah oui. Et puis il m'a dit. Et puis un jour, je l'ai vu. Je l'ai surpris en train de parler avec une jeune fille. Mmh. Et il disait, il échangeait des mots comme I love you, mais c'est. Il parlait en anglais. On fait pas en anglais. I love you, mais c'est. Je sais pas si c'est vraiment. C'est de l'anglais, oui. C'était de l'anglais. Même moi qui n'y connais pas grand chose, je vous confirme, Christine. Alors, oui. il faisait ces échanges. Mmh. Et effectivement, ça me perturbait. Parce que quelques temps avant, il avait au téléphone une fille, je crois que ça doit être la même. Et cette jeune fille, et il avait dit à cette jeune fille qu'il aurait dit à cette jeune fille, parce que cet homme, c'est un étranger, en fait. Hein. Mmh. Et il ne parle pas bien. Alors, parfois, je ne comprends pas bien quand il parle le français. Il a un accent, il est plutôt indien. Oui. Et puis, il parlait à une jeune fille, et il a dû dire à la jeune fille qu'il aurait rencontré quelqu'un en parlant de moi. Et que c'est, avec cette jeune fille, il a l'intention de faire sa vie. Quelque chose comme ça, voilà. Il était vraiment parti pour ça. Oui. Et cette fille était jalouse apparemment. Et parce que quand je l'ai eu au téléphone, elle était plutôt tendue. Mais je ne crois pas que parce qu'après je l'ai, comme je vous expliquais, il racontait, je l'avais surpris entendre dire I love you, mais je crois que c'était cette fille, mais c'est cette jeune fille, je crois, qui a dû lui dire I love you. Et il était gêné. Il était très mal à l'aise. Et après, quand il a vu que j'étais perturbée, il a remarqué que j'étais très perturbée. Il était triste, ça l'avait beaucoup chiffonné de me voir triste. Et je lui ai fini par lui dire que j'ai compris ce qu'il a dit, I love you. Parce que je voulais avoir des explications. Mais finalement, vous me parlez, c'est une relation, enfin, c'est bon, vous n'aviez pas encore démarré véritablement de relation avec cet homme. Au fond, il n'avait même pas de compte véritablement à vous rendre. Pourquoi vous, enfin, j'ai presque envie de vous dire pourquoi vous n'avez pas pris vos jambes à votre cou, parce que cet homme, semble-t-il, était lui engagé dans une relation. Enfin, en tout cas, était pris d'une autre femme. Celle à qui il déclarait sa flamme au téléphone, là. Oui, vous n'avez pas compris à ce moment-là qu'il y avait quelque chose avec une autre? Parce qu'il m'a dit qu'il était libre, hein, quand je l'ai rencontré. Oui, peut-être, mais entre ce qu'il vous dit, vous avez cru aveuglément ses propos.
Mais il m'a dit, mais après, ce qui s'est passé, ouais, c'est peut-être ça aussi. Après, il m'a dit que je lui ai demandé, après, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il avait entre cette fille. Parce qu'après, il avait dû, comment dirais-je, parce qu'à un moment, il voulait vivre, il voulait s'installer chez moi. Mais, je lui ai demandé, et il m'a dit que, qu'il n'est pas amoureux de, il m'a dit qu'il est amoureux de moi. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que c'est moi qu'il aime, mais à sa façon, parce qu'il il a dit que moi, amoureux de toi, c'est toi que j'aime. Oui, mais enfin, est-ce que... écoutez, ouais. il vous rencontre très vite, il veut vous faire un enfant, vous le surprenez dans une conversation avec une autre en pleine déclaration d'amour, quand vous lui demandez un peu ce qu'il en est, ben là, il est pris les pieds dans le tapis, il vous dit non, non, pas du tout, en fait, c'est toi que j'aime. Bon, cet homme, c'est parole, quoi. Il vous mène en bateau, non? Il vous raconte n'importe quoi. Vous pensez pas? Peut-être, oui. Ouais. Parce que finalement, au bout d'un mois, la relation vient de s'arrêter, mais il y avait plein de signes qui étaient très très forts, je trouve, dans cette histoire. Parce qu'il voulait me voir, en fait, ouais. Parce que la dernière fois, il voulait me voir, mais il était fatigué parce qu'il sortait du boulot. Oui. Mais en fait, il était triste. Parce que quand je lui ai demandé des comptes d'ailleurs, en fait, je sais peut-être qu'il est amoureux d'une autre femme, mais pourtant, quand je lui ai posé la question, il semblait être, comment dirais-je, non seulement attristé, mais... Il était déçu, enfin triste pour moi que je souffre. C'était surtout ça que j'avais constaté. Et puis il était désolé de ne pas pouvoir venir hier. Oui, parce que hier il m'avait promis qu'il viendrait. Et il était vraiment franchement désolé. Voilà, c'est tout. Mais là, il voulait me voir ce soir. Et il n'est pas venu. Et il m'a dit que désolé, je peux pas venir. Il m'a toujours dit oui, je viens. Et après il m'a dit à la fin non, il peut pas. Non, mais j'avais cru, vous aviez dit au standard que ce soir vous veniez de rompre avec cet homme. Voilà, c'était ce soir-là. Ça va faire peut-être 2 heures de ça environ. Et puis il a raccroché. Et puis c'est moi qui dis hein, que je veux plus le rappeler. Voilà. C'est pourquoi je dis que je veux rompre. Ben, je crois que... C'est pourquoi moi, en fait, j'ai l'intention de ne plus le rappeler. Ah ben, je pense que c'est préférable, parce que vu ce que vous me décrivez de cette relation, d'ailleurs, quelle relation ? Enfin, il ne fait qu'être dans l'évitement, dans la fuite, vous lui posez des rendez-vous, il ne vient pas, il les reporte au lendemain, il n'est pas clair avec vous. Ouais. Mais vous avez c'est curieux la façon dont vous en parlez, parce que c'est vrai qu'il y avait plein de signaux. Vous semblez vous attachez extrêmement vite, non? Ah, je ne sais pas, peut-être, oui, je ne sais pas. Bah, écoutez, il me téléphonait tous les jours quand il m'avait vu, et il est venu chez moi. Il a vraiment insisté. Il voulait absolument me voir. Oui, mais ça aussi, c'est particulier, cette présence-absence. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il cherchait? Ou alors, est-ce qu'il y a un tel vide dans votre vie pour que tout d'un coup, cet homme prenne une telle place? Il était avec eux. Enfin, je m'en souviens quand j'avais rencontré. Il était avec plusieurs hommes et. Il était à plusieurs, mais c'est que lui, apparemment, il m'a donné l'impression, en tout cas, d'être un homme qui cherchait une femme, en tout cas. Mais oui, mais vous donnez l'impression de chercher désespérément quelqu'un. Pour combler quoi? Ah, d'accord. Enfin, parce que surtout, Christine, je sais pas, je vois que vous avez 46 ans. Enfin, c'est incroyable, quoi. On vous sent complètement démunie, enfin, presque une proie pour celui qui passe et qui vous raconte de belles histoires. Ouais.
vous donnez l'impression de croire comme ça qui va vous raconter oui des histoires, vous y croyez aveuglément. Oui, mais il m'a donné l'impression qu'il voulait être avec moi. Mais oui, mais une histoire, Christine, une relation, ça prend un peu de temps pour se construire. Parce que au standard, vous avez dit, je viens de rompre ce soir, c'est la rupture de trop. J'ai jamais connu de relation durable. Et vous disiez, vrai. Vous vouliez en parler, mais je comprends mieux en vous écoutant. Oui, mais il y a une chose aussi que j'ai remarqué. C'est que souvent, quand par exemple, j'ai remarqué que bon, c'est presque pratiquement depuis mon adolescence plutôt, j'ai remarqué que quand j'étais par un garçon, normalement, généralement le garçon qui me plaît vraiment, je n'arrive pas à l'avoir. C'est souvent, j'ai cette impression, hein, c'est souvent celui qui ne me plaît pas qui vient vers moi. C'est ce que j'ai remarqué. Si bien j'avais eu des problèmes il n'y a pas longtemps avec quelqu'un, bon, ça va faire 10 ans de ça, il me courait après, je ne le supportais absolument pas, j'ai même voulu porter plainte parce qu'il était trop après moi. Mais c'est un homme qui ne me plaisait pas. Et pendant ce temps, j'étais attirée par un autre homme, mais cet homme apparemment ne me regardait pas, ou plutôt ne savait pas, il me regardait peut-être, mais il ne savait rien. Mais je ne pouvais pas regarder celui qui me courait après parce que j'étais attirée par un homme. Et j'ai remarqué que c'est souvent ce qui arrive. Je n'arrive pas à plaire aux garçons que j'aime vraiment. J'ai l'impression de plaire qu'aux garçons qui ne me plaisent pas. Et comme j'étais avec celui-ci, comme, enfin, j'avais rencontré celui-là, et apparemment il était très beau, enfin séduisant, oui. Je veux pas rompre avec lui de peur, effectivement, de tomber sur un garçon qui me plaît, enfin, un garçon, enfin, j'avais peur de rompre plus, beaucoup plus tôt, pour chercher quelqu'un d'autre, peut-être de mieux. Mais déjà, vous parlez, c'est marrant, même dans vos propos, on a, vous donnez l'impression de parler un peu comme une adolescente, hein. Vous parlez d'un garçon, alors que bon, je sais pas, à votre âge, on rencontre plutôt, vous êtes une femme, on rencontre plutôt des hommes. Oui, mais les mots ont leur importance, hein. Donc, y a quelque chose, j'ai l'impression, qui est resté en germe, un peu comme une jeune fille qui veut plaire, qui a le sentiment de ne pas plaire, qui c'est des propos qu'on entend souvent chez les adolescentes ou chez les jeunes femmes, de dire au fond les garçons qui, ce que vous avez dit, hein, je ne plais jamais à ceux à qui je voudrais plaire, et puis les autres il me court après. Bon, mais ça, c'est souvent quand on doute beaucoup de soi, de son potentiel aussi de séduction, de on ne sait pas vraiment qui l'on est, on est en questionnement par rapport à soi-même. Et j'ai l'impression que vous, il y a quelque chose qui s'est arrêté, qui s'est bloqué. Et de toute façon, à vous entendre, vous ne vous définissez que dans le regard des hommes. Sans leur regard, c'est comme si vous n'existiez pas. Alors, vous me direz, on est tous un peu comme ça, on a besoin du regard de l'autre pour exister, mais bon, ça tourne autour du regard des hommes, chercher à plaire, et au fond, c'est un puits sans fond. Qui vous laisse malheureuse, qui vous laisse avec un sentiment de vide, d'insatisfaction. Et il faudrait peut-être quand même à un moment réfléchir à tout ça et peut-être essayer de comprendre parce que c'est pas étonnant quand on vous entend parler de que vous n'ayez pas de relation durable, parce que au fond, quand on a peur d'être seul, on enchaîne les relations. On n'est jamais face à soi-même. Les hommes ou les femmes sont un peu interchangeables
Et il faut parfois passer par des moments un peu gris, un peu triste, un peu sans saveur, où on est un peu dans le manque, pour apprécier véritablement la rencontre avec l'autre aussi. Et puis savoir un peu mieux qui on est, quelles sont nos attentes, et pas uniquement se définir par rapport à l'autre. Or vous, effectivement, vous êtes que dans ces rapports de séduction, il y a quelque chose qui manque là. Et peut-être un peu vous faire aider à ce niveau-là, hein, parce que... Par contre, et puis, il y a quelque chose aussi que j'ai remarqué, c'est que j'ai remarqué que j'attire que les garçons plus jeunes que moi. Oui, ça ne me surprend pas. Oui. Ah bon ? Non. Pourquoi ? Parce que vous-même, je vous dis, c'est... Vous n'êtes pas dans votre âge. Alors... Il y a quelque chose qui est resté dans votre comportement, un peu celui d'une très jeune femme, quoi. Ah, d'accord. Donc je suis pas étonnée, vous êtes dans quelque chose comme ça, d'une quête de la séduction à tout prix. Ouais. Bon. Voilà. Christine, ce que je pouvais vous en dire. Ouais. En tout cas, avec cet homme-là, je crois qu'effectivement, il n'y a rien à en espérer. Il n'y a rien à espérer. Vous pensez qu'il est avec une autre ? Ça me paraît assez clair. Puis de toute façon, même s'il n'est pas avec une autre, avec vous, je ne vois pas ce qu'il peut vous apporter. D'accord. Oui. Bon. C'est ce que dit Lali, d'ailleurs. Rompre, c'est ce que vous avez de mieux à faire. Voilà Christine, merci de votre appel. Au revoir. Au revoir. Pour joindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Bonsoir Gérard. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Merci pour mes collègues masculins et féminins auditeurs. Vous leur rendez vachement service. Moi, je voulais témoigner. Je pense que la journée de la femme est en fait une contre-performance. C'est-à-dire ? Dans la mesure où, bien évidemment, je suis à 3000% d'accord entre l'égalité homme-femme. Mais bon, entre la période où... ou à une certaine période où la femme ne pouvait pas prendre un emploi sans l'avis de son mari, ne pouvait pas ouvrir un compte chèque, n'avait pas le droit de vote, etc., etc. Et là, je pense qu'en mettant une journée spéciale internationale pour la femme, je pense qu'on régresse, en fait. Je trouve qu'on part un petit peu en arrière... Et alors à ce moment-là, faudrait faire éventuellement une journée pour les camionneurs, une journée pour les aides ménagères, une journée pour tout ça. Je pense que là, malheureusement, on est en train de régresser. Bon. Pourquoi, selon vous, ces signes d'une régression ? Je pense que c'est une régression dans la mesure où, bien évidemment... Ça serait une journée, parce que vous dites finalement, vous associez là des catégories professionnelles. Or, la femme et les femmes, parce que la femme... On a parlé partout d'ailleurs de la journée de la femme. J'ai relevé ce qui est... À mon avis, il faudrait mieux parler de la journée des femmes, parce que les femmes sont plurielles, elles sont multiples. Ça, je disais. C'était la journée internationale. Ça ne veut rien dire de la journée de la femme. Ça n'a pas de sens en soi. C'est ce qu'on nous dit, la journée internationale de la femme. C'est ce qu'on nous dit, mais on dit parfois des choses qui... Il y a des femmes. Ah, je suis d'accord avec vous, oui, bien évidemment. Mais entre intéressant, parce que derrière ça, il y a inconsciemment encore tout ce que ça véhicule. Comme on parle de la mère, l'image de la mère... Oui. La femme, la mère, comme s'il y avait cette universalité de ce que devait être la femme, de ce que devait être la mère. En
début de, enfin, ou en fin de nuit, où j'ai entendu effectivement un truc qui était purement et simplement scandaleux, que la femme, lorsque le mari rentrait, ne devait pas lui parler, devait le laisser tranquille, lui servir à manger. Je crois que c'est cette nuit, j'ai entendu ça sur votre antenne, sur Europe 1. Oui. Fallait pas que la dame parle au monsieur, le laisser tranquille, lui servir la soupe à manger et se soumettre même éventuellement à ses désirs sexuels sans broncher. Bon, on a vachement progressé, mais là, je pense qu'on regrette. Gérard, pardonnez-moi parce que il y a beaucoup d'écho. Vous avez la radio allumée ? Ah bah je vais l'éteindre alors. Oui, merci. Elle est pas très loin, oui. Oui, mais ça fait du. Je pense qu'on est un petit peu en train de régresser, parce que bon, entre cette période qui était totalement et purement simplement scandaleuse, où la femme n'avait pas le droit de prendre un compte chèque sans l'avis de son mari, n'avait pas le droit de travailler sans l'avis de son mari, voire même éventuellement de ses parents, bon, c'était vraiment... Oui, il y a eu d'énormes progrès de fait, je vous l'accorde. Le droit de vote pour les femmes a été instauré... Bien sûr, je sais plus, bon, 46 sûrement, 46. Bon, c'était purement et simplement scandaleux. Mais là, je pense qu'on est un petit peu en train de régresser et je pense que maintenant, la femme est l'égale de l'homme, purement et simplement. Donc, je ne vois pas tellement l'intérêt de faire spécifiquement une journée internationale de la femme. Alors, sur le plan international, il y aurait encore beaucoup à dire. Moi, j'étais cadre sup, je suis toujours cadre sup dans une grande boîte d'assurance. J'ai été piloté par des femmes qui étaient largement supérieures intellectuellement à moi. Ça ne m'a jamais posé aucun souci. Oui, mais regardons, ne soyons pas auto-centrés et regardons la situation des femmes déjà à travers le monde. Ah bah à travers le monde, oui, bien évidemment. Si on va, si on va en Éthiopie, si on va au Sénégal, bien évidemment. Si on va, oui, la situation des femmes, la mortalité encore en couche, les femmes, les petites filles qui ne peuvent pas être scolarisées parce que ce sont des filles. Les femmes victimes de violences, ce qui se passe au Congo, les femmes qu'on viole parce que le viol est une arme de crime. Bon, non, mais la situation des femmes... Oh, il y a un écho terrible, c'est malheureux parce que j'aimerais bien débattre. Vous avez le haut-parleur ou on vous entend pas bien ? Alors, attendez, j'ai peut-être le haut-parleur, oui. Est-ce que ça va mieux ? Oui, là, ça va mieux. Ça va mieux. Oui, bien évidemment. La situation des femmes dans le monde reste encore tragique. C'est pire que tout. C'est de la folie furieuse entre les jeunes filles qu'on fait marier à 12 ans, etc., qu'on fait exciser, qu'on fait... Enfin, je ne sais pas quoi. Qu'on excise, qu'on infibule. Bon, on pourrait dresser une liste qui est le petit catalogue de la domination masculine. Et il y a vraiment... ça ne manque pas d'imagination. Bon, alors évidemment, comparé à cela, la situation des femmes occidentales est très enviable. Pour cela, il y a eu des luttes. Il y a eu des luttes et c'est pour ça que quand on entend aujourd'hui, et notamment parfois parmi les jeunes générations, ou des moins jeunes, c'est ce qui est d'autant plus choquant. J'ai entendu ici et là, encore aujourd'hui, de dire, certains avec beaucoup de condescendance, voire du mépris, ringardiser le mouvement féministe, alors que finalement tous ces acquis dont les femmes bénéficient aujourd'hui... Bien au contraire, bon, moi je suis en train de me battre avec une dame qui est malheureusement sous l'emprise d'un bonhomme qui, on va dire, est un peu épris de cannabis et de boissons. Bon, quand il arrive à la maison, c'est pas prêt, machin, mais je lui dis, purement et simplement, barre-toi, ou alors va porter plainte, ou n'importe quoi. Je suis totalement d'accord avec tout cela. Mais je pense que là, quelque part, en mettant une journée internationale de la femme, on est en train un petit peu de régresser justement au niveau du progrès qui était largement à faire depuis, à mon avis, deux siècles, qui malheureusement s'est passé beaucoup plus tard. Et je pense que là, on est un petit peu en train de dire, ça va
pas encore. Et puis, moi, je ne crois pas. Je partage pas votre point de vue. Vous avez, c'est votre point de vue et je le comprends et je le respecte. Hein. Mais je ne partage pas parce que je trouve que régression, ça me paraît excessif. Je pense que bon. Une journée, c'est certains diront oui, effectivement, vous dites ben, pourquoi pas une journée. Vous avez dit alors pour les camionneurs, pour les aides ménagères, vous dites là vous parlez de catégories professionnelles, mais les femmes représentent la moitié de l'humanité, donc on peut pas mettre ça sur le même plan. Et ça montre que pour les femmes, il y a encore des choses qui restent à faire, et encore ici en France, sur le plan du travail à compétences égales, le salaire n'est pas égal, vous le savez. Regardez sur les bancs de l'Assemblée nationale, il y a encore très peu de femmes dans les conseils général, dans les conseils des administrations des grandes entreprises, elles sont très peu nombreuses. Et au niveau du travail précaire, ce sont les femmes qui sont le plus touchées. Ah ben je suis d'accord. Ce sont les femmes les plus touchées. Donc il y a beaucoup de choses qui restent encore à faire. Je ne sais pas comment on appelle ça, les trois quarts de temps, etc., qui vont s'occuper des enfants, etc., qui ont éventuellement une retraite bien moindre lorsqu'elles tombent en retraite, effectivement. Sur les blancs de l'Assemblée nationale, il n'y a pas suffisamment de femmes, j'en suis intimement convaincu. Mais je pense que c'est pas en faisant une journée internationale qu'on va pouvoir changer les choses. Alors, ça, je suis d'accord avec vous, c'est pas une journée qui peut faire changer les choses. Ça au moins le mérite de rappeler qu'il y a des choses à faire. Et c'est là où je pense que... J'entends des collègues masculins... J'aime pas le mépris qu'affichent certains à l'égard de cela. Ils sont un petit peu machos, et justement, la journée de la femme, ça les fait rigoler. Je sais. Mais justement, c'est une preuve. Le machisme demeure, hein. Mais je crois que ça les énerve plus, justement, qu'on fasse une journée... Certains n'ont pas besoin de ça. Bah moi, j'ai rencontré je n'ai pas peur de vous dire que c'est un gros con, il m'a dit « c'est la journée de la pétasse ». Mais évidemment, mais ça ne me surprend pas. Je lui ai dit « t'es un gros con ». Bon, je n'ai pas eu peur de lui dire, mais bon, c'est son opinion, oui, qu'est-ce qu'elle me fait chier, c'est moi qui rapporte la thune, etc. Bon, c'est un gros blaireau, mais je pense que c'est peut-être éventuellement mal perçu par une certaine catégorie de type un petit peu très certainement machiste, hein, des types qui se mettent les pieds sous la table, qui attendent qu'on leur serve le whisky, le pastis ou n'importe quoi. Et bon, et il m'a dit aujourd'hui c'est la journée de la pétasse. Charmant. Alors justement, il y a quelqu'un, c'est quelqu'un qui dit « J'ai 36 ans, allez, laissez-nous notre journée pour nous, Gérard, ça suffit, on avance, on ne régresse pas, j'ai un conjoint totalement macho. » On va accueillir Marie-France qui est avec nous au 39-21. Bonsoir Marie-France. Bonjour, vous pouvez Caroline, aussi réagir hein, au 39-21, choix 1. Hein, je précise parce que je vais avoir plein de répondeurs. Bonjour Marie-France. Bonsoir, Marie-France. Je vais avoir plein de messages sur mon répondeur, donc si vous voulez réagir, 39-21, choix 1. Oui, d'accord. On vous écoute, Marie-France. Oui, bonsoir, Marie-France. Écoutez, le débat est très intéressant. Et bien entendu, j'adhère complètement, Caroline, à ce que vous dites. Bon, Gérard aussi, bien entendu. Bon, c'est un homme. Hein, forcément, il ne pense peut-être pas tout à fait la même chose que nous. Il n'est pas aussi sensible, peut-être que nous. Ah, je suis totalement sensible. Mais je ne sais pas si c'est bien nécessaire, en fait. Je ne sais pas si ça ne fait pas régresser, parce que bon, il y a plein de... Mais moi, je pense que c'est très important, parce que... Enfin, important. Disons que ça permet, justement, de pouvoir reparler de nous et reparler des choses qui sont encore à faire. Parce qu'il y a eu des choses, bien entendu, de fait. Il y a eu beaucoup d'avance. Par exemple, si je me permets, moi, de prendre mon cas un petit peu, j'ai 68 ans et j'étais, il y a 46 ans, j'étais une fille mère. Donc, si vous voulez, à l'époque, on nous appelait des filles mères et on nous montrait du doigt parce que nous avions un enfant sans j'en être mariés. J'en ai 55, mais j'ai et connu... Et nous en avons beaucoup souffert, j'en ai énormément souffert, ainsi que dans la famille, ça n'a pas été bien perçu. Et alors, par rapport à cela, si vous voulez, il y a eu beaucoup d'avances de fait. C'est-à-dire que maintenant, les femmes qui ont un enfant, on ne réagit plus de la même façon, quoi. Elles ne sont pas montrées. C'est très bien, mais je suis absolument d'accord avec tout Et ça, pour moi, ça a été une évolution considérable quand il y a eu
la contraception et toutes les femmes qui ont travaillé à cette époque, Simone Veil, Elisabeth Ballester, etc. Toutes les femmes qui ont écrit des livres, Benoît Groult, etc. Pour moi, j'ai applaudi à chaque fois pour la contraception, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses encore à faire et je suis très consciente. Oui, il y a encore beaucoup de choses à faire. Dans le monde et même chez nous. Vous savez, une jeune femme qui a, et malheureusement, ça devient de plus en plus fréquent, on va dire, parce que bon, il y a peut-être des jeunes femmes qui se font abuser. Vous savez, maintenant, comme vous avez une jeune femme qui a 18 ans, qui n'a pas de compagnon, c'est un petit peu considéré, on va dire, comme une fille de mauvaise vie. Oui, ça n'a pas encore... Oui, c'est pas 100% ça n'a pas encore évolué des mentalités. Ça, voilà. Il y a eu une avancée et considérable, en plus, bon, mais... On remonte un petit peu et dans l'âge. C'est toujours les femmes qui trinquent, Gérard. C'est toujours la femme mais qui trinque. Non, mais je suis d'accord avec vous, j'adhère totalement au discours, mais je ne sais pas si... C'est pour ça que nous devons continuer, nous, les femmes, à parler quand nous en avons l'occasion et à adhérer à tout cela parce que c'est inimaginable le travail qu'il y a encore mais à faire. Vous avez raison, il y a beaucoup à faire parce que vous parlez de la contraception de l'IVG. On n'imagine pas, les jeunes générations ne peuvent pas imaginer à quel point ça a été une révolution pour une les révolution. Femmes. Quand elles étaient... auparavant, elle n'avait pas d'autre choix que la maternité. Elle ne pouvait pas effectivement aller dans la vie sociale et dans la vie professionnelle investir ces voies-là, puisque leur destin biologique était la maternité. Elle n'avait pas d'autre choix. Donc les jeunes générations ne peuvent pas réaliser le bouleversement que cela a été. Et aujourd'hui encore, certes, l'IVG existe, mais il y a des menaces qui pèsent, puisque les médecins, les jeunes médecins ne veulent plus pratiquer cela. Les vieux médecins, ils partent à la retraite. Ceux qui ont vu les femmes arriver à ce moment-là, c'était terrible, parce qu'elles allaient voir les faiseuses d'anges et tout. Même des médecins qui, au départ, étaient opposés, ont décidé de faire... se sont lancés, ont fait des IVG, mais ces médecins partent à la retraite. Et il y a des centres d'IVG, aujourd'hui, malheureusement, de moins en moins. C'est compliqué. Enfin, il y a des médecins qui ne sont pas formés. Il y a un problème aussi d'éducation à la contraception, parce que c'est quand même la base. Le but, et ça serait que les IVG, ça soit vraiment le dernier recours. Le but, ça serait l'éducation à la contraception. Or, il y a une loi, mais qui malheureusement n'est pas suffisamment appliquée. Il y a beaucoup trop d'adolescentes qui font d'IVG parce que cette loi où on devrait informer, passer dans les lycées, ça ne se fait pas. Pourquoi cette loi n'est pas appliquée d'information sur la contraception. Donc il reste beaucoup de choses à faire au quotidien. Oui, il y a d'énormes choses à faire. Vous savez, moi je suis pas d'un âge canonique, j'ai 55 ans. Moi j'ai connu une copine, quand elle s'est retrouvée enceinte, ça a été l'aiguille à tricoter. N'ayons pas peur des mots. J'ai connu aussi des femmes de mon époque qui ont... Là, j'ai applaudi à la contraception. Vraiment, ça a été une avancée considérable, Caroline. Ah, bien évidemment. Mais oui, mais c'est important, je crois, de le rappeler. Je suis totalement en désaccord avec le pape qui nous raconte ces histoires. Ah oui, ça. Alors, si on rentre dans tous ces détails, c'est vrai que l'Église... Le pape, en même temps, qu'est-ce que vous voulez? C'est le pape, il ne peut pas, lui, il est dans son rôle. Non, mais on ne peut pas demander au pape de prôner le droit à l'avortement et c'est pas lui qui peut. Et à la contraception. Il n'est pas dans son rôle. Il a voué sa vie à Dieu, qu'il ne doit pas comprendre qu'éventuellement on puisse procéder à des protections. Pour se protéger, ça c'est encore autre chose. C'est un autre débat. Moi, la religion, pour moi, dans ces cas-là, je pense que c'est nous les femmes et les hommes qui devraient être beaucoup plus ouverts encore parfois. Alors on va accueillir Soraya. J'en ai beaucoup souffert à l'époque, vous savez. On va accueillir. Je crois effectivement parce que à ce moment-là, être fille mère, c'était vraiment. C'était l'horreur. Je sais, oui, c'était l'horreur. On appelait ça même à l'époque, je me rappelle. Il y avait un terme, c'était des filles perdues.
Oh oui, moi aussi, oui, d'accord. Oui, on disait fille perdue, voilà. Mais c'était... rien que le terme fille-mère oui, était extrêmement déshonorant. La fille-mère était déjà très désobligeante, mais il y avait, moi je me rappelle, j'ai entendu, bon, j'ai 55 ans, j'ai entendu, je vais vous donner la parole. Style, c'est une poufiasse, quoi, c'est tout, pardonnez-moi l'expression. Bah oui, mais non, on était traités de tous les noms. Oui, oui. Voilà. Vous savez, bah, alors, la mère, c'était déjà. Alors, je vous donne la parole, Marie-France, et puis après, on va accueillir Soraya. Je n'ai jamais plus parler vraiment de ce problème-là, et j'en profite, puisque je passe à l'antenne avec vous aujourd'hui, Caroline, parce que j'en ai énormément souffert à l'époque. J'ai juste une de mes sœurs qui est devenue la marraine de mon fils, qui écoute peut-être d'ailleurs l'émission, enfin, je l'embrasse encore par la même occasion si elle écoute, qui elle a compris, qui ne m'a jamais. Mais à l'époque, ma famille. J'en ai énormément souffert, ma mère m'avait laissé tomber, mais je peux vous assurer que moi j'ai applaudi par la suite à la contraception et à l'avancée qu'il y a eu. Évidemment, tout ce qu'a fait Madame Veil, c'était vraiment épouvantable. Ah oui, mais je comprends pas que le pape soit en train de Allez, on laisse le pape. Le pape, il m'énerve. On entend que le pape vous énerve, mais vous savez, le pape et le droit des femmes, c'est pas tellement compatible. On va accueillir Soraya parce que elle est avec nous au 39-21 et elle patiente depuis un bon moment. Bonsoir, Soraya. Oui, moi aussi, c'est vrai, moi aussi, mais bon. Mais vous pourrez reprendre. Non, restez avec nous. Vous pourrez reprendre la parole. On va faire un débat. Caroline et puis Justin aussi. Je voulais en profiter. Bonsoir Soraya. Bonsoir Caroline. Bonsoir Gérard. Bonsoir à la dame. Marie-France. Oui. Moi je voulais donner mon avis. Je suis un peu d'accord avec Gérard. Je suis d'accord avec Marie-France. Je suis d'accord avec Caroline. Cela dit, moi je suis algérienne. J'ai connu un avortement terrible à l'âge de 23 ans. Je me suis battue contre le machisme, contre plein de choses. Je suis heureuse d'avoir acquis une bonne liberté de vivre, mais néanmoins cette journée je la sens un peu comme une différence encore plus flagrante. Vous voyez ce que je veux dire? Pour marquer un petit peu plus l'avancée dans le combat des femmes, en fait. Oui. Je sais pas, Soraya, excusez-moi. Moi, je ne le sentais pas comme ça. Maintenant, vous avez très certainement raison. Vous avez très certainement raison. Alors, ne parlez pas tous en même temps, sinon ça devient inaudible. Et il est important de s'écouter, parce que sinon, c'est complètement inaudible pour ceux qui nous écoutent. Donc, laissez pour le moment, Soraya, je vous en prie, s'exprimer, et vous prendrez la parole après. Voilà. Je disais que j'étais d'accord avec Gérard, avec Marie-France et avec Caroline. Ça, on a compris. Que j'avais connu des choses horribles pour accéder à un statut de femme libre, mais néanmoins, cette journée me dérange. Voilà. Pourquoi ça vous dérange? Parce que c'est la journée de la femme. La des journée femmes. De la femme, c'est des femmes, d'ailleurs. C'est tous les jours. C'est un combat qui est tous les jours, comme pour les femmes, comme pour les enfants, comme pour des tas d'injustices. Et cette journée, moi, elle me dérange, la journée de la femme, des femmes. Bah, je suis d'accord avec vous, Soraya, pour moi, la Saint-Valentin, c'est une journée qui me dérange dans la mesure où la Saint-Valentin. Alors attendez, on a compris que tous les deux vous étiez. Mais ce que vous voulez dire, Soraya, c'est que quoi? Tous les jours, ça veut dire quoi tous les jours? C'est on peut pas jours tous les que jours. Nous devons avoir notre importance en tant qu'être humain. Oui, mais est-ce que tous les jours, on ne peut pas dire, tous les jours, voilà ce qui se passe tous les jours, peut-être ce qu'il faudrait améliorer. Donc, est-ce que c'est pas l'occasion, la possibilité de dire, voilà encore ce qui reste à faire? Alors, on en a parlé dans nos sociétés occidentales, et puis c'est l'occasion aussi de rappeler ce qui se passe à l'international. Bien sûr, je suis d'accord. Bon, on peut pas le faire non plus tous les jours. L'actualité, elle est ce qu'elle est, tout va très vite. Tous les jours. Mais ça, on est d'accord. Mais on est d'accord sur le fond. Tous les jours, ça doit être la journée de la femme. C'est pas mais oui, non, mais on est bien d'accord, mais je sais ce que je viens de dire aussi. Tous les jours, mais cette journée-là permet, peut-être, enfin je pense, moi, de pouvoir s'exprimer un petit peu plus. Que voulez-vous comment faire? Elle permet de nous mettre encore plus en dessous. Ah non. Ah, je crois que c'est pas de ça dont il s'agit. Ah ben j'espère oui, que non, non, que non, non, non. Enfin, c'est mon ressenti. La journée de la femme, pour moi, vous trouvez que ça abaisse les femmes? Pas
Le mot est trop fort, mais je veux dire, c'est pourquoi une journée spéciale. Ça ne valorise pas mon temps. Pourquoi une journée spéciale pour parler des femmes? Alors, je reçois un message là au 7 10 25. Il y en a beaucoup qui disent c'est un symbole. Oh, mais. Alors, d'autres messages que je vais vous lire parce que, justement, il y a Petite Plume qui dit « N'oublions pas que rien n'est jamais acquis et que, de toute façon, bon nombre de choses restent à faire. » Et puis, quelqu'un dit « Rien que pour rappeler qu'il y a toujours beaucoup trop de viols qui existent. Ah, ici encore, dans nos contrées, il faut maintenir cette journée. Qui reste un symbole ?» Un autre message. Attendez, parce que c'est les journées des femmes de la Gérard, donc je vais prendre un peu la parole. Vous avez tendance fâcheusement à couper la parole. Il y a quelqu'un qui dit « Tant mieux si c'est mal perçu par les machos, c'est fait exprès, je suis bien contente de l'apprendre. » Et puis, quelqu'un qui dit « First Lisa » qui dit « Elle gagne 30% de moins à travail égal en France. » Quelqu'un qui dit « Il y a beaucoup de discrimination encore en France, justement, au niveau des salaires. » Donc, Laura qui dit « Je ne pense pas que la journée des femmes soit le signe d'une régression. Au contraire, pas besoin de partir bien loin pour se rendre compte que beaucoup de femmes souffrent encore beaucoup, que ce soit à cause de leur culture, de leur éducation, de leur vie professionnelle ou professionnelle. Donc finalement, cette journée permet d'en parler, de dialoguer. » Ah ben, je suis intimement convaincue de ce que... mais je ne pense pas que dans l'esprit de certains dans certains esprits de la gente masculine que ça soit bien perçu. Moi, alors on va aujourd'hui, c'est la journée de la pétasse, c'est la journée de la pétasse. Bon, mais ça, vous nous l'avez dit, on l'a suffisamment. Vous êtes en train d'envenimer le problème. On l'a suffisamment compris. On l'a entendu. On a accueilli, on va accueillir Lisbeth qui est avec nous. Attendez, là ça devient pénible parce qu'on s'entend plus. Non. Ah bon. On s'entend plus et c'est pas agréable. On essaie d'avoir un échange, un dialogue, et c'est vrai que si tout le monde parle en même temps, c'est pas agréable. Bonsoir Lisbeth. Alors, vous taisez, Gérard. Allez, vous êtes minoritaire aujourd'hui. Il nous reste encore 10 minutes, 10 petites minutes à nous, et après de nouveau, les hommes qui pourront prendre la parole. Bonsoir Lisbeth. Bonsoir Caroline. Bonsoir. J'allais m'endormir en vous écoutant. Cependant là, j'avoue que j'ai... Avec la cacophonie ambiante, c'est compliqué là. Simplement pour vous dire que moi-même, je suis traducteur agréé pour l'UNICEF. Donc je travaille en particulier pour le droit des femmes et des enfants dans le monde. Ce qui me paraît très important dans la journée international, c'est le mot international. C'est-à-dire que nous, en Occident, nous nous sommes battus, je suis d'accord, et nous avons acquis beaucoup de choses et il en manque. Mais dans tous ces pays, tout autour de nous, dont on ne parle pas, vraiment, il y a un énorme travail qui se fait et qui doit continuer de se faire. Et je pense que la journée internationale sont pour ces femmes-là qui se battent, les femmes en Argentine, les mères, par exemple, les femmes en Afrique qui n'ont pas droit à l'éducation, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Je pense à ces enfants qui n'ont pas le droit d'aller à l'école ou qui n'en ont pas les moyens. C'est ça la journée internationale. Mais pourquoi une journée, pardon? On ne va pas revenir sur le débat. Oui, je comprends votre question. Parce qu'on ne peut pas faire une journée tous les jours. Ça n'a plus d'intérêt. Mais oui. C'est un symbole. Mais je crois qu'il faut accepter. Non, on repart pas. Là, écoutez, pardonnez-moi. Là, on repart pas sur le débat. Non. C'est moi qui mène le débat. Je suis désolée. Sinon, ça devient complètement inaudible et inintéressant. Donc, pour une fois, je vais être autoritaire. On va pas repartir. Pourquoi une journée? Pourquoi pas une journée? On en a suffisamment parlé. On va laisser aller Lisbeth au bout de son idée. Lisbeth, j'imagine que en travaillant
voyant là où vous êtes, évidemment que c'est vous êtes à l'UNICEF. Voilà. C'est pas, vous ne travaillez pas qu'un jour par an. Vous y travaillez toute l'année, simplement une journée. Et là, c'est un symbole et on en parle, on le met en valeur. Mais c'est toute l'année que vous travaillez. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est un symbole. Ah oui. Et du coup, pour ces femmes-là, c'est une reconnaissance de leurs petits acquis au jour le jour. Ah et à un moment donné, il faut pouvoir dire, elles ont acquis quelque chose. C'est ça l'important. C'est pas une histoire de régression. On s'en fout de la société occidentale, en gros, hein, je suis vache en disant ça, mais on a tellement avancé. Laissons aussi la parole à ceux et celles qui, qui ne peuvent pas avancer autant que nous. Je peux intervenir, Caroline. Dans l'international. 15 secondes. Pensez-vous éventuellement au Mali, au Bénin ou au Sénégal, pensez-vous que les femmes soient concernées par la journée internationale de la femme? Mais elles en entendent parler quand même. Donc ça doit leur faire plaisir, ça doit leur... Oui, monsieur, parce qu'au Sénégal... Laissez Lisbeth vous répondre. Vous avez posé une question, Lisbeth va vous répondre. Au Sénégal, au Mali... au Pakistan, il existe des groupes de femmes qui se regroupent justement pour pouvoir parler entre elles et aider leurs propres filles à comprendre l'importance de l'instruction, malgré toutes les difficultés qu'elles ont. Et ce n'est rien à côté de nous qui avons un salaire moindre que les hommes, etc. Mais ce n'est rien, ce n'est rien. Mais là-bas, elles se battent vraiment... elle risque la peine de mort. Elle risque d'être tuée. Justement, c'est ce que j'allais vous dire. Pensez-vous que dans la culture africaine, on laisse la femme parler au Mali, au Bénin, au Sénégal? Oui, monsieur. Oui, c'est rare. Oui, c'est rare. Il y a des manifestations. Bah, j'espère. Il y a des écoles. De tout mon cœur, mais j'ai quelques doutes. Il y a des bus scolaires qui partent de village en village pour justement faire que les communautés de femmes se retrouvent entre elles, comprennent l'importance, et ça grossit comme ça, parce que ce sont certains humanitaires qui vont de village en village, qui appellent les gens à des réunions. Et à partir de là, les petits mouvements se créent. Et on sait très bien que ce sont les petites rivières qui vont faire des grands fleuves, quoi. Mmh. Mais c'est tout doux ce mouvement. Et j'insiste sur le fait international. Oui, c'est important. Oui, donc c'est un combat de tous les jours. Oui, je suis important. Et cette journée est un symbole. Je suis d'accord avec Caroline quand on dit que c'est un symbole. Une fois dans l'année... Pensons à toutes ces femmes qui n'ont pas pu et qui ne pourront certainement pas toujours atteindre le minimum d'objectifs. Oui. Merci Lisbeth. Merci beaucoup Caroline, Lisbeth de ces paroles. Il faut qu'on se... Il faut qu'on se quitte. Merci infiniment. Merci à vous tous d'être intervenus sur ce débat un peu agité, ça a permis l'échange, même si parfois c'est vrai qu'on a eu un peu de mal à vous entendre. Mais bon, c'est vrai que ça suscite toujours beaucoup de... C'était vif et passionné. Voilà, merci. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39-21, 34 centimes la minute.
C'est la deuxième heure de cette libre antenne, toujours en direct, bien entendu, sur Europe 1. Voilà, tous ceux qui étaient un peu en colère contre cette journée des femmes, eh bien, c'est fini. Il faudra attendre l'année prochaine. Donc, parmi les propositions de journée, le Trublion dit, bah, puisqu'il y a eu des propositions de fête, je me lance, allez, ma petite contribution, pourquoi pas la journée du chat, hein, finalement. Moumoun aimerait tellement la promulguer avant de quitter ce monde, je vais en discuter avec tous les chats du quartier. Il y a Grégory qui lui me dit, ah, les femmes nous sont indispensables, leur délicatesse, leur sensibilité, leur écoute, qui n'a pas eu besoin un jour d'une amie, d'une maman pour assurer nos craintes de petits garçons. Mais en revanche, cette année, ça tombe le même jour que Mardi Gras. Et du coup, les pauvres, elles vont être de corvée de crêpes. Eh oui, on n'échappe à rien. C'est ce que me disait une jeune femme. Elle me dit, bah, moi, hein, la journée des femmes, alors, je ne retrouve plus son message, mais elle me dit, ben, ça a été le même jour que tous les autres. Finalement, j'ai tendu la pelouse, j'ai fait du ménage, du repassage. Attendez, je voudrais citer son prénom. Elle me dit vivement demain, hein, que je me repose et que je retourne au travail, quoi, surtout. Voilà. Donc, oui, c'est aussi ça, la journée des femmes, souvent. Allez, on va accueillir maintenant, je crois, Michel. Oui, bonsoir. Bonsoir, Michel. Je vous remercie de me recevoir déjà à l'antenne. Mais je vous en prie. Parce que je traverse un gros calvaire et je ne sais pas comment m'en sortir, je ne sais pas comment faire. Je voudrais ouvrir une parenthèse avant d'évoquer mon sujet pour dire que moi, je suis pour la journée des femmes, pour la bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, il y a déjà trop de femmes battues. On n'entend parler que de ça. Pour moi, c'est pas normal. Donc, j'estime que cette journée peut être très importante. Et il faut absolument qu'on arrive à résoudre tous ces problèmes, quoi. Que l'homme ne soit pas le maître du monde et que la femme y compte aussi. Qu'elle est là pour... C'est elle qui procrée, c'est elle qui est là, qui met quand même beaucoup d'enfants au monde et on ne peut pas retirer la valeur d'une femme. Il faut bien savoir qu'une femme, c'est deux journées en une. Beaucoup travaillent, c'est vrai, mais beaucoup arrivent à la maison et travaillent encore, parce que beaucoup d'hommes ne font pas grand-chose. Mmh. Donc il ne faut pas négliger la femme. Il faut la défendre jusqu'au bout des doigts. Voilà. Donc oui, moi j'ai 42 ans, et puis là je traverse un calvaire. Pourquoi ? Parce que ma femme... Je ne devrais pas dire ce que je viens de dire, parce que ma femme m'a demandé, plus tard qu'hier matin, de continuer de quitter le domicile conjugal. Je peux vous dire que c'est très difficile. Ça a raison. J'ai demandé des explications. Je ne me suis jamais fâché. J'ai demandé une explication. Pourquoi ? Oui. La seule chose qu'elle a trouvé à me dire, c'est qu'elle n'avait plus de sentiments. Donc ça fait 18 ans et demi qu'on est mariés. Mmh. On a 4 enfants, dont le premier a 18 ans. On va avoir 18 ans. Le deuxième a 14 ans. Mmh. Le troisième, il y a 2 jours, il vient d'avoir 11 ans. Et le dernier qu'à 6 ans. Donc, j'ai été pris au dépourvu parce qu'il n'y a pas eu de dispute ou quoi que ce soit avant. Oui. Même 2 jours avant, on était chez ma sœur pour un repas parce qu'elle vient d'avoir un bébé. Et puis, elle avait dit en partant, bah, ouais, comme ça, on pourra faire les barbecues cet été, il faudra venir chez nous et tout. Puis voilà, quoi, tout se passait bien. Et bon, moi, je suis artisan, hein, donc je travaille 6 jours sur 7. Les heures, on les compte pas, hein, c'est comme ça. Ça m'empêche pas que le dimanche, quand j'arrive, je donne un coup de main à ma femme, je fais le repassage, je fais le ménage, j'interviens dans les tâches ménagères, puisque j'estime qu'il n'y a pas que les femmes qui doivent le faire. Et puis donc, bah, hier matin, quand je me suis levé, maman, c'est ça, comme ça. Vous n'aviez pas ressenti un éloignement de sa part, vous ne la sentiez pas moins proche de vous, plus... Pas du tout. Pas du tout. Parce elle, que... elle ne vous avait pas dit qu'elle... Non. C'est ça, au-delà même, sans parler de dispute, vous ne la trouviez pas plus froide
vis-à-vis de vous, je ne sais pas, refusant une intimité amoureuse, une absence de sexualité, la vie continuait comme... Comme avant. Comme du premier jour, je veux dire, c'est pour rien vous cacher, pour être honnête, le jeudi de le dernier rapport qu'on a eu, c'était le rapport sexuel, c'était le jeudi de la semaine dernière, on en a eu le mardi, voilà, je... Et donc vous êtes tombé de l'échelle quand elle vous a annoncé ça. Et puis surtout qu'il y a à peine 15 jours, bon, c'est vrai qu'en travaillant, c'est des 60 heures par semaine, hein, 70 heures. Oui. Bon, elle m'a dit, tu me manques, je te vois pas beaucoup. Donc arrivé là, je comprends pas. Bon, elle est en arrêt de travail depuis le mois de mai l'année dernière, en accident de travail, puisqu'elle a une double hernie discale. Ah. Et je me pose la question si derrière, il n'y a pas un coup de déprime. Je ne sais pas. Je comprends pas. C'est une bonne question. Oui, parce que elle aimait beaucoup son travail. Bah, elle était aide-ménagère. Elle aimait son travail. Et puis, bon, bah, c'est vrai que... Surtout que, bah, si vous voulez, par rapport aux enfants, elle est restée... pratiquement 15 ans à la maison pour éduquer les enfants. C'était un choix personnel qu'on avait fait. Déjà, c'est une chose que je relève aussi. Des fois, il y a des femmes qui ne sont pas dans l'obligation de vouloir travailler. Il faudrait peut-être penser à qui ne travaille que pour fournir une femme à la maison. On pourrait aussi bien lui donner un salaire comme un homme qui va travailler avec oui. Je serais pour ça. Peut-être qu'on aurait moins de femmes à travailler à la chaîne aujourd'hui. On aurait moins d'enfants à traîner dans la rue parce que les parents seraient déjà... Il y a déjà un des deux qui sera à la maison. Ça pourrait régler certains problèmes de société, d'éducation. Et moi, c'est pour ça que nous, on avait préféré ce système-là. Et puis voilà, quoi. Donc après, quand le dernier est arrivé sur les coups de 3 ans et demi, 4 ans, qu'il est à l'école, bon, moi, je suis artisan, ça me permettait de rentrer midi pour ce qui ne pouvait pas, parce que bon, chez les personnes âgées, c'est pas toujours facile, on ne peut pas rentrer à l'heure. Donc moi, en tant que patron, je me permettais de rentrer pour faire à manger mes enfants le midi pour l'école, quoi. Et dès, quand elle arrivait, donc elle n'avait plus qu'à manger aussi, quoi. Il y avait une planification énorme, quoi. C'était et bon, c'est vrai que quand elle a été arrêtée l'année dernière au mois de mai, bon, il faut bien dire une chose, c'est que les grandes vacances sont arrivées tout de suite derrière. Donc je pense pas qu'il y a eu elle n'a pas ressenti d'être seule, puisque les enfants étaient oui, là. Oui, il y avait les vacances. Voilà, ouais, il y avait les vacances. Donc après, je me suis dit... Oui, bah, en revanche, l'année a pu lui sembler longue d'être... Bah, vous savez, moi, je suis en Bretagne, je suis en centre-Bretagne. C'est vrai que nous, on a toujours une météo qui est plus ou moins capricieuse. comme on parle aussi souvent aux informations, on a entendu parler que... Les coups de déprime, les suicides en Bretagne, c'était un endroit où qui était bien réputé pour ça. Donc c'est vrai que ça me fait peur, quoi. Oui, ça. Mais est-ce que vous avez noté, c'est pour ça, est-ce que dans son comportement, est-ce que vous trouvez qu'elle était différente? Alors là, je parle pas vis-à-vis de vous, mais est-ce que si, j'ai vu dans son comportement que pas par rapport à moi, hein, comme vous dites, mais j'ai remarqué que dans son comportement, il y a que je la sentais pas bien. Mais bon, elle est parisienne d'origine. Donc voilà, bon, je connais son caractère. C'est quelqu'un qui a un caractère dur. Dur, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire? Quand je veux dire dur, c'est qu'elle ne veut pas admettre s'il y a vraiment un problème. Qui prend beaucoup sur elle, qui a du mal à exprimer ce qu'elle ressent. Tout à fait. Oui. Elle va éviter de se plaindre ou d'avoir le sujet ouvert pour qu'on puisse l'aider, quoi. Et ça, vous avez essayé par moment de, vous voulez dire, d'en parler avec elle, de... Oui, j'ai essayé, parce que je sentais bien que j'ai même dit, je travaille dans un camping, hein, à l'heure actuelle, je suis en train de faire les travaux à camping, et puis moi, cette personne, je travaille depuis longtemps ici, et je lui ai dit, faut pas que ça continue parce que je sens qu'elle va clasher, quoi. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, pas par rapport. Pas personnellement par rapport à moi. Que ce n'était pas lié à vous, mais vous sentiez qu'elle n'était pas bien. Voilà, ouais. Que et c'était pas qu'elle avait peut-être moins d'énergie que d'habitude, qu'elle était plus repliée, renfermée. Oui, déjà dernièrement, ne serait-ce que la semaine dernière, ça revient à ce que vous dites, elle n'avait plus goût à faire à manger. Alors que c'est une très bonne cuisinière. Oui. Moi, le surgelé, je ne connais pas. C'est une très bonne cuisinière. Vous êtes un métier, oui.
Et voilà, donc elle dit ouais, j'ai pas envie de faire de bouffe. Oui. Voilà quoi. Oui, ce qu'elle aimait, elle aimait faire la cuisine. Elle délaissait ça, elle avait plus goût à ça. De la façon qu'elle m'a dit ça hier matin, bon, déjà qu'il n'y avait plus de sentiments. Et qu'elle me dit, en plus, ça fait très longtemps, ça fait 9 ans que j'ai plus de sentiments. Bon, j'ai pas compris parce que depuis 9 ans, il y a quand même un enfant qui a 6 ans, il a été désiré. Je sais pas si c'est une... Alors, reste à voir aussi, bon, ce qu'il en est, hein, c'est compliqué parce que parfois, quand on est dans un état de mal-être personnel, on peut mettre ça sur le compte de la relation de couple, voire sur le compte de l'autre. De dire que c'est l'autre qui est à l'origine de nos maux, de nos difficultés, de notre douleur, de nos souffrances. Bon. Si elle va pas bien en ce moment, elle peut noircir le tableau et avoir le sentiment que ça va pas bien depuis un moment. Ou alors, bon, tout ressort et il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. C'est difficile de savoir. Je peux pas. Elle seule pourrait le dire, mais qu'est-ce qui s'est passé quand elle vous a dit de partir C'est-à-dire que j'ai pas. Bon, les enfants sont en vacances chez nous en Bretagne encore cette semaine. Je suis quelqu'un qui a horreur de rentrer en conflit. Comme j'ai dit, la force n'a jamais fait l'intelligence. Donc voilà, comme je pressentais déjà que comme quoi je la sentais pas bien, quoi. Donc je me suis dit au départ, je me suis dit bon, peut-être qu'elle a besoin de refaire le point, de se resituer. Voilà quoi. Bon, après, parce que c'était au départ que, bon, hier matin, c'était qu'une séparation. Donc, elle m'a dit, je veux rester seule avec mes gosses, je veux être libre de mes mouvements, de bouger, tout ça. Mais comme je vous expliquais, j'ai dit, le problème, c'est que par la sécu, tu as des heures à respecter de présence à ton domicile. C'est pas moi qui te bloque. Je suis pas la personne qui te dit qu'il faut que tu restes de 9h à 11h chez toi et de 14h à 16h. C'est des lois qui existent, moi j'y suis pour rien. Parce que c'est quelqu'un qui a toujours bougé. Oui, mais ça doit être très pesant aussi pour elle. Oui, tout à fait. Non, mais je comprends. Il y a peut-être des aménagements que... d'ailleurs, elle pourrait voir avec son médecin. Évidemment, elle a une hernie discale, donc après on dirait, mais une double en plus. Ouais, donc on dirait, mais pourquoi vous dites que vous avez une double hernie discale et en même temps vous sortez donc il dirait, bon, comment se fait-il? Bon, mais il y aurait peut-être des aménagements, mais en plus, ça doit être douloureux. C'est le problème, c'est qu'elle est déjà tombée 2 fois. Elle est allée à l'hôpital à Pontchaillou, à Rennes, pour voir un neurochirurgien qui lui a dit que c'était pas possible de l'opérer. Déjà, bon, elle a 38 ans. Il l'a trouvée trop jeune. Il pensait que par d'autres traitements, elle a fait des infiltrations sous scanner. Là, elle est arrivée maintenant, depuis hier, mais à chaque fois, si vous voulez, qu'elle a une visite qui est nouvelle, comme je vous dis, concernant les infiltrations. Là, hier après-midi, elle a un rendez-vous pour l'électrostimulation dans un centre antidouleur. Et à chaque fois, 2-3 jours avant, il y a un coup qui arrive. Est-ce que c'est la peur d'aller à l'examen? C'est possible, oui, de ce qui va lui être dit, du pronostic. Donc, je... Elle est prise en charge dans un centre antidouleur. Là, oui, depuis hier, quoi. Ah, seulement depuis hier. Seulement, oui. Hein. Bon. C'est ça. C'est un peu le problème qu'on a en France, c'est-à-dire que j'ai entendu, il n'y a pas très longtemps, c'était dimanche soir, justement, quand je vois un entraîneur de foot... espagnol, pour pas le citer, Monsieur Guardiola, qui a été opéré en peu de temps d'une hernie discale, que le dimanche soir il était sur le bord du terrain de foot. Si aujourd'hui il faut avoir beaucoup d'argent pour se faire soigner, je trouve ça dommage.
En France, on a quand même la chance d'avoir, on a quand même la chance d'avoir une bonne médecine, hein, en France, Michel. Quand on regarde ce qui se passe un peu dans d'autres pays, Bon. Je ne critique pas la médecine. Je critique, si vous voulez, l'intervention par rapport à quelqu'un qui a les moyens aujourd'hui, par rapport à quelqu'un qui est dans un petit milieu. Oui, mais justement, même des personnes qui n'ont pas les moyens vont à l'hôpital public, ils vont être pris en charge, ils vont être soignés. Mais oui. Il faut quand même le dire. Par rapport à des pays, il faut quand même dire, vous allez à l'hôpital, vous êtes soigné. Vous n'êtes pas soigné. En France, vous allez dans un hôpital de l'assistance publique, vous êtes soigné. Bon. Mais bon, depuis hier, donc elle est prise en charge dans un centre antidouleur. Bon, ça c'est important. Alors maintenant, par rapport à vous, il y a quand même tout un contexte général autour d'elle, de ses difficultés, dont il faudrait parler, parce que évidemment, je comprends le choc que vous avez reçu, mais on voit que entre le moment où vous me dites rien n'a changé, tout était comme avant, sur un plan personnel, elle, il y a eu un gros bouleversement dans sa vie. Elle qui était très active, très dynamique, se retrouve clouée, immobilisée. Elle n'a que 38 ans, donc elle a dû avoir le temps de ressasser. Et peut-être qu'à ce moment-là, c'est quelqu'un, me dites-vous, qui a du mal à exprimer ce qu'elle ressent. Et alors, il y a une idée souvent très, très répandue parmi les fausses idées en amour, où justement, souvent chez les personnes d'ailleurs, mais pas seulement, qui ont du mal à exprimer leurs émotions, leurs sentiments, c'est que l'autre, le conjoint, doit les deviner. Il n'y a pas besoin de parler au fond. L'autre doit deviner, hein, quand on va pas bien. Alors, quand ça ne se fait pas, quand l'autre, eh bien, continue à mener au fond sa vie, comme si de rien n'était, pris par un quotidien, parce que comme vous dites, ben, vous faites 60 heures par semaine, il y a les enfants, il y a vous rentrez, vous essayez de la soulager comme vous pouvez en rentrant du travail, mais au fond, ben, entre vos quatre enfants, vos semaines très chargées, ça laisse peu de temps pour vous deux, pour votre intimité. Elle a pu cultiver d'autant plus de ressentiments, jusqu'à peut-être pouvoir penser qu'elle n'avait plus de sentiments. Alors, si c'est le cas, ça peut, il y a possibilité d'intervenir et d'en parler et de vous faire aider. Soit, effectivement, il n'y a vraiment plus du tout de sentiments. Mais je crois que c'est à ce moment-là, il faut vraiment voir ce qu'il en est, parce qu'elle est dans un contexte où elle ne va pas bien. Et c'est peut-être ça qu'il faudrait lui dire, bon, donnons-nous le temps un peu d'y voir plus clair. Proposez-lui. C'est-à-dire que, pour vous dire, samedi, je lui avais proposé d'aller au restaurant, le soir, en amoureux tous les deux, quoi. Puisque mon enfant qui a 18 ans il me disait moi je peux rester avec mes frères, on leur faisait à manger, ils avaient plus qu'à manger, quoi. Voilà. Et il dit donc si vous pouvez y aller, et elle a refusé. Elle m'a enlacé et elle m'a dit non, je préfère qu'on a autre chose à acheter, si ça te dérange pas, je préférerais qu'on achèterait ça plutôt que d'aller au restaurant. J'ai dit, si tu veux, quoi. J'ai dit, si c'est ça que tu veux, il n'y a pas de problème. J'ai dit, mais moi, je voulais te faire plaisir. Ce que je cherche à chaque fois. Mais il faut un peu insister. C'est-à-dire, voyez, là, elle revient sur le côté très pratique, on a d'autres choses à acheter. Elle revient sur le côté mère de famille, prévoyante, s'oubliant un peu dans la relation. Dire, un restaurant, c'est coûteux. Et donc, il vaut mieux faire passer en priorité d'autres frais. Et vous, très vite, du coup, vous vous effacez en disant, je voulais te faire plaisir. Bon, peut-être que ça aurait valu la peine de dire, justement, oublions un peu, c'est important, on va se faire plaisir. C'est important qu'on ait un peu du temps aussi pour nous ensemble. Oui, mais vous voyez, hier, ça a été brutal. Hier matin, il y a même parlé de séparation. Suite à son examen qu'elle a eu au centre antidouleur, je lui ai dit, est-ce que je peux quand même te voir pour prendre tes nouvelles, pour voir ce qui va se passer pour toi, quoi. Et elle me dit, oui, il n'y a pas de problème.
Donc, elle était chez sa maman à ce moment-là. Et bon, moi, j'ai du mal à retenir mes larmes depuis deux jours, sachant que mes enfants étaient chez ma belle-mère, je l'ai appelée, je lui ai dit, ben, tu peux sortir. J'ai dit, parce que moi, ça me fait trop mal de voir mes enfants et puis de voir ma belle-mère avec qui je m'entends très bien, que j'ai pas de soucis. J'ai dit, ça me fait mal, donc tu pouvais sortir. Elle dit, oui, j'arrive. Et puis, bon, elle m'a expliqué et tout. Et au point que là, c'était arrivé, c'était plus la séparation, c'était le divorce. Qu'il n'y avait plus d'issue. Quoi. Donc, je lui ai dit, oui, encore plus, ça allait de plus en plus loin, quoi. Je me suis dit au départ, la séparation, le temps que de refaire le vide, de savoir comment elle se situait. Parce que moi, je lui ai parlé d'un aspect financier aussi. J'ai dit, voilà, je veux que financièrement, je veux t'aider absolument. J'ai dit, tu ne peux pas rester comme ça toute seule avec les enfants. Il y a quatre enfants, il y a le loyer, il y a tout ça. On n'est que locataire, on n'est pas propriétaire. Mmh. J'ai dit, tu peux pas te permettre de résoudre ce problème toute seule. J'ai dit, c'est pas possible, quoi. Elle dit, non, c'est terminé, c'est comme ça. Puis, oui, mais peut-être qu'elle s'enferme aussi dans quelque chose. Donc, bon. Donc, le médecin d'hier l'a mis sous un médicament antidépresseur. Oui, alors souvent, c'est ce qui est prescrit dans les cas de douleurs chroniques. Hein, parce que ça agit, on s'aperçoit que ça agit certains neurotransmetteurs. Enfin, ça joue dans les cas de douleurs chroniques dont on n'arrive pas à se défaire. Et peut-être que par le même effet, ça va aussi jouer sur son humeur. Laissez un peu. J'allais revenir. Dites-lui quand même. Je reviens sur ce que vous dites par rapport à son humeur. C'est que je suis retourné ce matin à 9h la voir. Puisque si vous voulez, en entreprise, bon, moi j'avais toutes les charges. Et puis après, moi, je ne peux pas me permettre de payer tout ce qui est assurance maison, tout ça, en sachant que je ne suis plus à la maison. Non, que mais... moi, je suis dans un logement. Oui, je vais expliquer ça. Oui. J'ai été très bien reçu ce matin. Et puis, comme elle m'avait parlé du divorce, j'ai dit, écoute, est-ce que j'appelle le tribunal pour les papiers pour le divorce? Eh bien, non, pas même. Mais non, mais vous allez trop vite, là. Mais vous êtes un peu trop suiviste, à mon avis, Michel, parce que vous êtes perdu. Mais oui, mais oui, mais Michel, vous êtes perdu, mais vous êtes face à quelqu'un qui est perdu, qui va pas bien. Donc finalement, elle vous dit, vous donnez deux exemples qui sont assez frappants, même si c'est pas sur le même plan. L'histoire du restaurant, où vous, c'est bien, vous proposez une initiative. Et puis elle vous dit, oh ben non, on a d'autres frais plus importants. Et elle dit, il y aurait peut-être, ça, c'est pas très raisonnable en gros. Bon, d'accord, vous n'insistez pas. Vous dites, au lieu de dire, allez, ça fait du bien de temps en temps de ne pas être raisonnable. Surtout que bon, voilà, vous ne l'amenez pas à la tour d'argent. Hein, c'est histoire d'être ensemble, de passer un moment ensemble. Bon, très vite, vous laissez, hop, vous vous repliez. Donc, vous avez à la fois envie de bien faire, mais vous n'allez pas au bout des choses. Là, elle vous dit, c'est elle qui impulse, alors qu'en fait, elle est pas, c'est pas dans une situation, que c'est pas quand on va pas bien qu'on prend des décisions. Et là, elle vous dit, bon, j'ai plus de sentiments, on va se séparer, tiens, on va divorcer. Et là, alors que c'est pas votre désir, vous n'en avez pas envie, c'est... Ah non, pas du tout. Vous allez au devant, dire, tiens, je vais passer au tribunal, je vais prendre les papiers. Et qu'est-ce qu'elle vous dit? Non, pas maintenant, c'est pas le moment. Entendez ça. Elle vous dit ça, mais elle est perdue. Et vous seriez presque prêt à... vous allez faire les démarches et tout, alors que vous n'en avez pas envie. Mais n'allez pas si vite. N'allez pas... derrière ça, il y a peut-être de la détresse, de la souffrance, et il faut entendre autre chose aussi. Donc, vous êtes perdue, mais vous allez... vous anticipez. Vous réagissez à côté. Elle aurait besoin un peu de pouvoir s'appuyer sur vous. Or là, finalement, comme elle est perdue, vous aussi, vous savez plus, pouvez plus vous appuyer sur elle. Alors oui, évidemment, vous pouvez pas vous appuyer sur elle en ce moment. Donc, il y a des moments comme ça dans la vie. C'est peut-être à vous de justement de la porter un petit peu au sens propre comme au sens figuré. C'est-à-dire de
Bah de dire que vous êtes à ses côtés dans cette période difficile qu'elle traverse et que vous êtes là aussi pour peut-être vous n'avez pas vu à quel point elle était, elle souffrait peut-être de ça. C'est possible. Bon, voilà, et de dire bon, on va essayer de voir ce qu'il en est, de commencer à en parler avec elle et dire donnons-nous un peu de temps peut-être pour en parler. Donc et là, reproposer lui ce restaurant et dans ce restaurant dire bon, on s'est peut-être finalement un peu perdu de vue, happé par ce quotidien où je me suis, dites-lui que vous êtes peut-être pas rendu compte qu'elle cette année comme ça où ce changement dans son rythme de vie a dû être très difficile pour elle et que vous l'avez peut-être un peu sous-estimé ça, cet aspect-là. Et proposez-lui, vous allez voir comment elle réagit. Et si vous sentez qu'en fait, bah, elle n'est pas dans un désir de séparation, qu'il y a des sentiments qui sont encore présents, ça vaut peut-être la peine d'aller voir un spécialiste, un thérapeute de couple pour en parler un peu. Tu penses, hein ? Ouais. Mais dans l'immédiat, comment je fais ? Je laisse passer... Je sais là dans la façon de réagir. Est-ce que je vais la voir ? Est-ce que je reste... un petit peu muet un moment pour que... Je sais pas, c'est là que je sais pas comment... Mais pourquoi faire, vous êtes où, là ? Ben là, je suis dans un bungalow, j'ai pas de chauffage, je suis... Vous prenez... Oui, mais enfin, quelle idée aussi de partir comme ça dans un bungalow Ben parce que j'ai pas d'autre solution. Mais oui, mais vous mettez trop vite en retrait, vous mettez trop vite dans quelque chose, vous voyez, elle vous dit, bon, vous abandonnez trop vite le terrain, Michel. Vous vous mettez, il y a toujours d'autres solutions. Il faut être un peu combatif. Parce que votre femme, elle a peut-être besoin aussi de pouvoir compter sur vous, de pouvoir s'appuyer sur vous. Et là, finalement, elle peut aussi voir, supposons qu'elle ait encore au fond des sentiments pour vous, quelqu'un qui abandonne le terrain. Oui, tout à fait, puisque la preuve, elle m'a dit, mais il faut que tu viennes à la maison, je vais te faire tes lessives. Elle m'a dit, ben, de toute façon, tu viendras à la maison, tu viendras manger avec nous. Mais oui, mais il ne faut pas aussi que la maison, ça soit juste un endroit où on vient laver son linge. Mais voilà, mais ça, et manger et tout ça. Donc il faut mais aussi que vous sortiez de cette image, que vous retrouviez un peu d'intimité dans votre couple. Et qu'elle soit plus, ça soit plus seulement parce que vous pouvez garder une intimité sexuelle, avoir des rapports sexuels jusqu'à la veille où elle vous dit j'en peux plus et on va se séparer. Mais au fond, quelle intimité ? C'est ça, c'est-à-dire que si au fond il n'y a pas de l'échange, du lien affectif, de quelque chose qui puisse se parler, de dire au fond c'est peut-être un peu perdu de vue et parle-moi, dis-moi où tu en es, où on en est. Ben, voyez, ça veut pas dire grand-chose. Donc, la maison, ça doit pas être simplement un lieu où on vient laver son linge et où on passe pour manger. Parce que vous n'êtes pas un enfant de plus, vous n'êtes pas un ami, vous n'êtes pas... Bon, vous êtes son mari. Donc, ne désertez pas trop vite le terrain. Donc, faut que je m'accroche à elle quand même, quoi. Faut que je... Mais vous vous accrochez à elle, c'est pas votre bouée non plus, elle va pas bien. Non, c'est que que vous soyez plus combatif. Voilà. Il faudrait que je lui dise que je vais revenir pour l'aider, quoi. C'est presque ça, quoi. Que vous êtes là pour elle, c'est différent. Ouais, et puis je suis là pour elle. Ben oui. Eh oui, oui, oui. N'abandonnez pas trop vite. Voilà. Bah, et c'est puis, ce que je pense, faites-vous aider, hein, parce que j'entends, Michel, je pense, allez, déjà, concrètement, je vous ai donné quelques pistes, quelques conseils. Et puis après, je pense que, vu un peu la façon dont vous me parlez de votre couple, ça serait bien d'aller voir un peu un spécialiste. Ouais. Et là, je trouve que, voilà, je vous le redis, n'abandonnez pas le terrain, c'est pas le propos. D'accord ? D'accord. Bon. Comme dit First Lisa, vous devez actuellement vous montrer solide pour deux. Voilà, tout à fait. Ouais. Donc c'est pas le moment de s'effondrer. Hein ? Okay. Bonne chance, Michel. Merci, Caroline. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Pour joindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes la minute.
Un petit message du subversif à propos de Michel qui dit quand on perd son métier, que sa santé est atteinte, on essaie de retrouver un peu de valeur et les larmes de celui qui craint de nous perdre sont valorisantes en quelque sorte. Bonsoir Suzon. Suzon ? Caroline ? Oui, bonsoir. Bonsoir Caroline. Voilà, c'est mon nom d'emprunt, Suzon. Oui. J'admire beaucoup toutes vos émissions et je m'y retrouve parfois, chez les, et surtout hier. Et voilà, c'était la journée de la femme. Alors, je crois qu'on pense que les femmes sont libérées. Eh bien, moi, pas du tout. Ça a commencé toute petite par une maman très dominatrice, castratrice, je dirais, et qui m'a toujours impressionnée. Et ça continue par le mari qui m'a pris, c'est mon dire, des mains de ma mère vers moi et qui m'a imposé une domination à laquelle je suis toujours soumise par manque de moyens, par manque de pouvoir m'affirmer. C'est très, très difficile. Allô ? C'est-à-dire manque de moyens, vous n'avez pas de revenus personnels, c'est ça ? Non, c'est-à-dire que j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années. Mm-hmm. Nous étions à Paris. Et puis mon mari a été muté. Si bien j'ai dû quitter mon travail, j'en ai retrouvé un autre, là où nous sommes allés. Mm-hmm. Je ne dis pas les villes parce qu'après, ça pourrait situer. Ainsi de suite, si bien que de petit à petit, j'ai perdu mon autonomie, mon travail et tout. Et puis, j'étais plus que la femme à la maison. Le mari qui arrivait, comme on dit, les pieds sous la table. Et je me suis sentie complètement dévalorisée et sans moyens financiers. Et aujourd'hui, bon, ayant travaillé qu'une vingtaine d'années, j'ai une toute petite retraite. Et oui. Où je peux même pas dire. Aujourd'hui, j'aurais bien envie de divorcer, de partir, de m'en aller, parce que c'est la dictature dans laquelle je suis. C'est-à-dire, comment ça se passe au quotidien? C'est-à-dire que je n'ai le droit à aucune décision. La maison, je ne peux même pas la décorer comme je veux. Puisque financièrement, j'ai pas le moyen. Tout passe par le conjoint avec qui je suis toujours et qui était vraiment quelqu'un qui était très doux, très gentil au tout départ quand on était fiancés. Et là, dès que on a été mariés, ça a été mon mari et ma mère qui décidaient des vacances. D'où on allait faire, qu'est-ce qu'on allait faire, la maison, qu'est-ce que vous allez prendre comme meuble et tout. Et ah, moi, c'est eux qui décidaient. Le couple, c'était ma mère et mon mari. Oui, oui. Bon. Votre mère n'était pas en couple? Non, elle était. Disons que mon père est décédé quelques années après notre mariage. Et il n'avait pas son mot à dire, de toute façon, j'imagine. Mon père n'avait pas son mot à dire, lui non plus. Et quand mon père est décédé, ma mère a fait, j'allais dire, couple avec mon mari. De décision, hein. Oui, oui, j'entends. Ouais. C'est-à-dire que moi, je me suis toujours sentie la petite fille de ma mère. Oui. Et puis après... prise en main par mon mari qui fait qu'au bout de 20 ans, nous étions partis à Paris, mon travail, j'ai dû le laisser. Et comme il était muté de par la société où il travaillait, on quittait la région et on allait ailleurs. Lui, il avait toujours le même employeur. Et puis moi, à un moment donné, j'avais plus d'emploi. Hein. Et qu'est-ce qui fait justement ? Oui, parce que vous quittiez la région, donc vous ne pouviez pas retrouver un emploi. Il était dans une très grosse boîte. Oui, donc ces mutations successives ne vous permettaient pas... D'informatique. Oui, vous, ça ne vous permettait pas effectivement de garder un poste. Ah non, non, moi, à partir de... Vous savez, quand vous êtes
dans le milieu de la France, tout d'un coup on vous emmène à Paris. Oui. De oui, Paris, c'est on vous emmène compliqué. En Amérique, bien en sûr. Amérique, vous retournez en Angleterre et tout. Oui, oui, vous étiez dépendante de lui. Tout à fait. Hein, et puis, ben, c'est-à-dire que vous n'avez plus aucun pouvoir de décision. Il a quel âge, votre mari, aujourd'hui? Ah ben, moi, je vais vous dire, on est plutôt jeune. Il a 74 ans et moi, pas loin. Et il est toujours dans ce rapport-là avec vous? Toujours. D'une domination. Mmh. On est revenu dans une région du centre de la France, où je suis native. Mais je m'aperçois que je ne peux pas choisir un meuble, que je ne peux pas décider de quoi que ce soit. Bon, j'ai... un jour, je lui ai dit, tu sais, je commence à avoir assez. Et tant que ma mère était chez elle, je pouvais avoir la voiture et y aller la voir. Maintenant qu'elle est en maison de retraite, il m'a enlevé les clés de la voiture. Il m'a dit, je t'y conduirai. Ah oui, ça va très loin. Vous n'avez même pas votre autonomie pour vous déplacer. Et je peux vous dire que le premier magasin, il y a 1,5 km à peu près, une surface, quoi. Et que je peux. Donc vous êtes assez cloîtré chez vous. Ben voilà. Enfin oui, où il faut vous déplacer à pied. C'était par rapport à la journée de la femme que je voulais vous dire. Oui, c'est assez c'est que, fou. Je suis française, il est français, et que ça ne se passe pas quand j'ai en Afrique du Nord, que ce genre de choses arrivent aussi en France. Oui, c'est édifiant. Hein. Et que je ne sais pas comment m'en sortir parce que bon, j'ai par l'heure un ordinateur qui me permet de voir avec des. Mais un jour, j'ai contacté quelqu'un par Internet et qui a débarqué à la maison. Une assistante sociale pas, oui, mais c'est même pas, c'est la police. Mais. Alors, pourquoi alors, eux, ils ont cru que j'étais battue ou autre. Ils m'ont dit que vous n'avez pas de bleu. Vous n'avez... Je dis non, non. Mais oui, c'est plus diffus que ça. Alors, oui, je vais vous dire que moi, je ne savais pas qu'ils allaient débarquer. Ça fait 3 semaines déjà. Oui. Et d'un coup, ça m'a encore mis en plus grande difficulté. Oui, c'est-à-dire, comment réagit-il depuis? Ben, très distant. Il n'y a plus de parole. Je vais vous dire... à l'âge que nous avons chacun notre chambre dans la maison, hein. Mais il n'y a plus de rapport psychologique, intime, relationnel, de quoi que ce soit. C'est, oui, il a cette relation d'emprise sur vous, et on voit bien, vous le décrivez, de domination. Une domination, c'est à l'occasion de cette fête des femmes. Oui, et c'est intéressant parce que. C'est pas la femme libérée qu'on dit. Mais ça a commencé avec votre mère. Voilà. Et ce qui est fait, c'est que j'étais une petite fille obéissante. On m'a, au bout de 12 ou 15 ans de mariage, et désirée avec des médicaments et tout un tas de trucs pour m'avoir. Si bien j'étais très couvée étant enfant. Et. Je voyais par rapport à mes petites camarades que je me sentais presque un objet. Ben vous êtes dans cette position là toujours. Voilà. Mais vous savez, il serait possible toujours être. Je voulais m'en sortir. Oui oui, mais il serait possible de, parce que même si j'entends bien que vous n'avez pas. J'ai même pas d'amis. Oui, mais je sens bien. Mais vous êtes dans un état d'isolement parce que bon, il y a une relation d'emprise totale de cet homme sur vous et qui vient de loin, hein, qui vient de l'enfance. C'est bon, mais il est toujours temps. Ma mère. Oui, mais vous le dites très bien. Mais il serait possible de, à un moment, au fond, de lui donner moins de pouvoir à cet homme. Parce que c'est aussi le pouvoir que vous lui donnez. Alors, vous me dites, certes, il a le pouvoir de l'argent.
vous n'avez pas, vous avez une toute petite pension. Mais déjà, dans votre quotidien, vous pourriez, au fond, commencer à vous affirmer en vous faisant aider. Peut-être parce que j'entends bien que seul, ça vous paraît insurmontable. Mais en parlant, en allant avec l'aide de quelqu'un, d'un spécialiste qui vous aiderait à vous affirmer face à cet homme qui, au fond, face à lui, vous restez encore cette petite fille. Oui. Eh bien, face à lui, vous pourriez grandir et vous affirmer et avoir moins peur. Et vous rendre compte qu'au fond, ce pouvoir qu'il a, c'est avant tout vous qui lui donnez. Si vous vous comportiez à ce moment-là comme une femme vis-à-vis de lui, comme une adulte vis-à-vis de lui. Oui. Vous avez dit le mot comme une adulte. Je crois que je ne me suis jamais permis ça parce que je suis quelqu'un qui, à force de plier, je suis devenue trop humble. Mais c'est-à-dire que c'est même pas de l'humilité, c'est que on ne vous a pas permis de vous affirmer et de vous êtes restée toujours la fille de votre mère et maintenant oui. Effectivement quelque part la femme enfant de votre mari. Donc moi je pense et vous n'avez pas de compte à lui rendre pour aller en parler à un spécialiste. Ça serait déjà lui poser un premier acte d'autonomie. C'est ce que dit d'ailleurs un message du subversif qui dit « Votre mari a épousé la fille de sa belle-mère, laissez cette fille pour être la femme qui vous attend de droit. » Et il n'est pas trop tard pour ça. Parce que dans votre quotidien, déjà, vous pouvez vous lui ôter de son pouvoir et vous affirmer. Vraiment, oui. C'est ce que je vous souhaite, hein, Susan. Donc, prenez-vous par la main et autorisez-vous enfin à vous libérer. Il n'est jamais trop tard. Hein. C'est vraiment. Vous n'avez. Je vais vous dire une chose, c'est que il est très jaloux. Mais c'est au-delà de la jalousie. Mais c'est au-delà de la jalousie, c'est-à-dire que finalement, vous êtes sa chose. Ah oui. Bon, en même temps, que fait-il là? Il dort? Oui, parce que nous avons chacun notre chambre. Oui, c'est ça, vous avez... Oui. Disons que c'est un monsieur qui est corpulent, qui ronfle beaucoup, etc. On a le bonheur d'avoir une maison avec plusieurs pièces qui font que moi, j'ai ma chambre toute seule où je vous parle aisément. Et ce qu'il y a, ce que je me rends compte, c'est que avec ma mère qui est toujours vivante, qui a 102 ans, mais qui est dans une maison de retraite maintenant, il a fait autour de moi, j'ai l'impression de tailler une toile d'araignée. Parce que on a le même âge pratiquement, à quelques mois près. Et moi, je fais au moins 15 ans de moins que lui. Facilement. Je sais pas, je m'habille dans des jeans, à l'âge que j'ai. J'ai une amie de 35 ans. Quand on veut. Qui est commune, hein, pas une amie à part. Hein. Mais je suis avec cette personne de 35 ans comme si j'en avais 35. De mentalité, vous voyez. Et je m'habille d'une façon qui n'est pas de mon âge en réalité. Oui. Ah oui. Parce que je ne me ressens pas l'âge que j'ai. J'ai l'impression de ne pas avoir vieilli, de ne pas avoir grandi et autres. Et lui, dès qu'on projette un regard sur moi, allez, rentre à la maison, c'est là. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais il est dans un comportement comme ça, où personne ne doit vous approcher, excepté lui. Et oui. Je me trouve prisonnière. Ben, on l'entend. C'est-à-dire que vous n'avez pas de possibilité d'existence dehors. En m'enlevant les clés de la voiture, c'est m'enlever. Il vous enlève toute autonomie, toute liberté. Mais si vous voulez, vous.
après tout, vous pourriez aussi, avec, je ne sais pas, il y a toujours des possibilités, faire appel à un taxi, faire appel à quelque chose, prendre... bon, vous dites vous avez une petite pension, mais vous achetez votre propre voiture, une petite voiture, même une petite voiture d'occasion. Oui, oui, ben, j'y ai songé. Vous voyez, et dire, ben, écoute... Il va me crever les pneus, hein. Tu me laisses pas les clés. Eh bien voilà, je prends les miennes. Prends les miennes. Bon, alors, simplement, cet homme, vous, il a pris une telle puissance, c'est-à-dire qu'il a, de votre mère, vous êtes passé à cet homme, ce qui a été le cas de vous représenter aussi tout le... une génération hein, de femmes qui passaient comme ça de leurs parents à leur mari et qui restaient sous cette relation de pouvoir. Bon, en même temps, et c'est vrai, je ne nie pas le problème, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle nous sommes, Susan, vous pouvez aussi lui ôter de ce pouvoir à ce tyran domestique. Donc, à vous aussi de savoir demander de l'aide. Et faire appel à des spécialistes dans la ville où vous êtes. Allez en parler à une assistante sociale, allez en parler à un thérapeute, demander un rendez-vous et vous n'avez aucun compte à lui rendre. Donc, bonne chance à vous. Voilà, merci, je vous embrasse, Susan. Je vous embrasse moi aussi de tout mon cœur. Au revoir. Au revoir, Caroline, et merci.